Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui, on tente un nouveau format. Donc le fight, c'est une toute nouvelle émission où je vais affronter un invité sur 3 défis. Le premier défi, Basketball Challenge. Le deuxième, Crossbar Challenge. Et le troisième, King of Fana. Et pour cette première émission, mon invité c'est... Umizu Guruzei. Frisco Basket Freestyle. Aïe 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 aïe, on est là. Frisco Basket Freestyle, c'est tout juste le champion du monde de freestyle basket, mais aussi c'est le fils caché de Hulk et Mister V. Ma bite ! Vous avez bite ? Faites bouger ou pas ? La bite ! Et oui la S3 Family, vous l'avez compris, pour ce premier épisode, on vous ramène du lourd. Et pour commenter tout ça, on vous a ramené le speaker le plus déjanté de la planète. C'est moi ! C'est moi, oui, c'est moi, ouais, je vais commenter tout ce qui va se passer durant cette vidéo. On va voir s'ils sont chauds déjà. Donc voilà, Brisco fait partie de la Team S3, ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît, ça fait super plaisir de le voir. On a fait une petite vidéo sur sa chaîne, allez checker ça, vous allez kiffer. Très dur, t'es chaud ou pas? Je suis chaud, je vais te fumer mon gars, mais t'as jamais été fumé de ta vie. Wakanda forever. Round 1, fight. Ok, ok, les deux premiers mettent le premier, ça c'est parti. Eh hey, c'est tendu en vrai, parce que les deux ont mis. Qu'est-ce qu'il a raté? Il a raté, c'est lui le basketteur, il a raté encore. Andreas il prend la main en vrai. Brisco! Il a acheté ses followers en vrai. Eh, hey, 4-2, 4-3, eh, hey, ça se resserre. 5-3, eh hey, c'est chaud, Brisco t'es nage. Andreas, 6-4, mais hey, je ne suis plus, ça va beaucoup trop vite. Il se gêne, oh c'est pas fair play les mecs, c'est pas fair play. En 7, 5, 8, ça va beaucoup trop vite pour moi. Andreas, il a la main. Andreas, il est au calme. 8, 6. Brisco, il revient quand même. Thomas, ça se jette de bourre. Ça c'est carton jaune, c'est Andreas normalement. Hey, 9, 6. Andreas, il perd pas le devant de cette compétition. Il l'a fait rentrer en mode j'ai pas le temps, vas-y, j'enchaîne. 11, 7. Ensuite, Andreas, tu veux toujours pas lâcher le délire. Brisco, je croyais que t'étais bon. Vendu. T'as acheté des followers. 12-9. Ah ouais. Mais en plus, c'est un supporter des Warriors. En plus, c'est en train de gagner. Pourquoi il est comme ça là? Oh là là, 13-10. 13-10. 11. Oh là là, il enchaîne les points en plus. 14-11. Ça va beaucoup trop. Brisco, tu reviens. Pas assez apparemment. 15 minutes. 16-12, non là ça. Andreas, c'est mon gars. Et bah oui. 16-14. Mais c'est combien? Il y a combien de... C'est jusqu'à 20, c'est vrai. Putain, ça va. Oh là là. 16-15. Oh, c'est serré. Oh, c'est serré. Oh, 16-16. Oh, la remontada. Oh, il a repassé devant. Andreas, c'est comment? Andreas. Brisco qui va gagner. 16-16. Dans le money time, baby. Putain, il m'a mené toute la partie. Et à la fin, tu vois, c'est là quand tu vois le money time. Le sang-froid, mon gars. Ice on my face. Mais c'est foutu de ta gueule jusqu'au bout. Victoire de Brisco. Victoire de Brisco inattendue. Victoire de Brisco. Freestyle Ball S3. Quel match incroyable entre ces deux participants. Mais au final, on retiendra juste que Brisco n'est pas champion du monde pour rien. Oui, il a pris du temps. C'est un petit diesel. Il a pris du temps, mais... il a montré que c'était lui le champion de basket. Maintenant, on va voir Andreas dans sa discipline. Bon, premier défi, il était chaud. Grosse victoire de mon gars. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, on passe au crossbar. Est-ce que tu sens chaud? Bah, dans les cross, je suis chaud. Après, dans les barres, un peu moins. T'as vu? On va voir ça. Round 2. Le premier arrivé à 5 crossbars. Fight. Ok, bon, les deux commencent très mal. Brisco, il a une technique de frappe incroyable. Andreas qui prend les devants bien évidemment. Hey, inattendu mais il la vise. Donc il est gagné pour le moment. Ah, Andreas qui reprend les devants. Brisco il est vraiment revenu. Mais c'est quoi cette frappe? Il est trop fort. Oh là là, Andreas tu continues de prendre les devants. Brisco t'es trop fort. Brisco est beaucoup trop fort. Il met des extérieurs. Eh, hey, en vrai c'est serré. En vrai. Oh, 4-2. On a l'impression que les carottes sont cuites, Jean-Pierre. Ah ouais, personne à côté de moi. On est à 4, je prends mon temps. Normal, je le laisse arriver. Ok. Alors, en vrai, il prend son temps, carrément, il le charrie. Il prend son temps. Et c'est pour la bague de match qui réussit.
sur le buzzer. Ah non, bien joué, Andréas. Tiens à dire que j'ai eu 47 sûrement. Les chaussures de basket, c'est très compliqué de tirer avec. Bon, Andréas n'a pas manqué de réussir son challenge car Brisco, champion du monde de freestyle basket, a réussi le sien. Andréas, champion du monde des S3 Challenge, est obligé de gagner au crossbar. Maintenant, tout va se départager sur la finale. Yo, dernier défi, King of Panas. Final round. Donc ça va être très simple, on va mettre une minute chacun, celui qui met le plus de petits points à gagner. On commence par qui? Pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. Ah le bâtard. Tu commences. Ok, let's go. 3, 2, 1, c'est parti. On commence tout de suite avec le basket Pana. C'est peu connu en France, mais oh, il est parti loin. Il est parti la chercher. Un spécialiste, et ça fait déjà un Pana. Mais où est la balle? Mais en vrai, vous rigolez, hein. Mais même nous, on tombe dans ses feintes. Hein, on comprend rien à ce qui se passe. Elle est où la balle? Elle est où la balle? Il est du vert. Et voilà, ça c'est la spéciale Brisco, ça. Ça fait deux panas pour moi. Ça fait trois panas. Non, il lui a fait peur, c'est pas fair play. Il les enchaîne rapidement. Putain, ça va être chaud! Ça fait quoi? 4, 5? Combien? Je sais plus, je suis perdu. 4, je crois. Ah ouais. Comment vous expliquer? 4 panas en 1 minute? Ça va vite. Franchement, c'est un très gros résultat. C'est vraiment super chaud. 4 panas en 1 minute. C'est-à-dire, c'est pas genre les gens juste y passent et hop, il met panas. Là, c'est les gens ils jouent contre lui. Non, c'est vraiment chaud. Et pour être tout à fait honnête, je suis impartial, hein. Je suis juste commentateur. Mais je pense pas qu'Andréas puisse faire mieux. En vrai, avec le pied, je trouve. Non, 4, c'était vraiment fort. Franchement, Brisco, il a fait du sale. Ok, c'est au tour de moi-même. Face à mon gars, tu t'appelles comment? Alex. Alex. Faites du bruit pour Alex, s'il vous plaît. Ouais, ouais. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti pour Andréas. Ok, du bruit. Allez, mais faut aller vite, c'est une minute, c'est tight. Ok, il est en train de le rendre fou. Ouh. Oh non, il a récupéré la balle. Il perd de temps pour Andréas. Oh. Il sait plus quoi faire. Oh là là, la récupération. C'est de la perte de temps, ça, c'est une perte de temps. Et ça fait un, les gars, faut enchaîner, monsieur, faut enchaîner. Ça fait déjà un. Allez, on enchaîne, le deuxième. Hop. Ouh, ça a fallu rentrer, ça. Et c'est fini. Mais en vrai, c'était prévisible. Il s'est bien défendu. Mais c'était prévisible. 4, c'est énorme en 1 minute. Bah big up à Brisco. Attends, du gars. Attends, du mec. Yo, la S3 Family. Donc, grosse victoire de mon gars Brisco. Vas-y, les gars. Donc, à ce qui paraît, j'ai un gage. À ce qui paraît, t'as un gage. À ce qui paraît, c'est un défi en mode Street Fighter. Donc, à ce qui paraît, à ce qui paraît, on voyait des Hayouken sur les passants. Sur les passants, genre qui? Genre les passants. Là, on va aller se promener un petit peu. Tu vas envoyer 2-3 Hayouken. Let's go. Bon, c'est Allez, le okay. gage. Je crois que le gage le pire en fait, c'est que lui porte toutes les affaires pendant que je fais mon gage. De ouf, en vrai, je me suis couillé. Eh, j'ai peur. Non, Brisco, en vrai, j'arrive pas. Vous vous rendez compte, le bail, je dois faire Hayouken à des gens que je connais. Tout à fait, t'as exactement compris le gage. Alors, Andréas, fais nous rire. Mais regarde trop mal, lui. Mais là, c'est un Kamehameha, c'est pas Hayouken, ouais. Elle est dans le move en plus, elle est dans le move. Putain, la merde. Elle m'a vu, elle m'a vu. Non, faut faire comme si de rien n'était. Elle est en plus, Andréas super timide. Elle déteste faire ce genre de truc. Je dois poser mon calme. Oh, you can. Voilà, elle avait envie de te goumer. C'est gênant. You can. Ouais, t'es mignon celui-là. You can. Ouais, t'es trop chou. Alors celui-là, il était vraiment. Tu l'aurais fait tomber son vélo là, ça aurait été drôle. Il a pas fait croire en moi, il allait se faire goumer. Je suis content d'avoir gagné ce défi, bro. Oh, you can! Elle t'a regardé en mode. Hey, tu me veux quoi, clochard? Apparemment, elle a mis ce qu'il y a. Oh, you can! Il a mis son téléphone en mode. Hey, je suis sûr qu'il y avait personne en ligne. Il l'a mis en mode. J'ai pas d'argent pour vous, s'il vous plaît. Oh, you can! Vous avez ma vue, ça. Et bien voilà, ce fut un plaisir de commenter cette vidéo. J'espère vous revoir bientôt. À vous les studios.
Yo, c'était la Team S3, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, c'est un plaisir pour moi d'inviter mon gars Brisco. Ça fait 10 piges qu'on se connaît, il fait partie de la Team S3 Basket. Mettez un commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce style là. Grosse dédicace à tous les autres S3 qui n'ont pas pu être dans cette vidéo. Et comme d'hab, la recette n'a pas changé. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et surtout, abonne-toi à UK. Et ouais les gars, la S3 c'est aussi du freestyle basket. Et la S3 Family, mettez-moi en commentaire quel youtubeur vous aimeriez me voir affronter. Allez checker la chaîne de mon gars Brisco, on a fait un défi de malade. Et surtout, oublie pas de cliquer juste ici pour t'abonner à notre chaîne. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, peace.